Tous les ans, autour du 18 mai, l'humanité célèbre la Journée internationale des musées. C'est un événement institué par le Conseil international des musées. Cette année 2022, elle est célébrée sous le thème « Le pouvoir des musées ». Juste Souklatiti Sambou, guide coordonnateur du musée Cercle Africain, a bien voulu signifier l'intérêt de cette journée. La Journée internationale des musées, c'est une journée que les muséologues attendent toujours. Et comme nous gardons la mémoire, bien entendu, d'un pays, et pour nous, ça, c'est une grande joie de pouvoir vivre cette journée. On ne peut vivre sans pour autant connaître ce qui s'est passé à l'époque. C'est l'identité de tout un peuple, un musée. Dans ce contexte de la célébration du centenaire de Pointe-Noire, l'occasion était tout indiquée pour évoquer l'histoire de la ville à travers des repères soigneusement gardés dans ce musée. Ici, CPKN, ça s'appelait Compagnie Propriétaire Culinaire à l'époque. Le palais de justice, ici, aujourd'hui, c'est le CG Tikaya en face de la DIRAT. La grande poste, aujourd'hui, c'est le commissariat central. Les musées sont des lieux de découverte incomparables qui nous renseignent sur notre passé et ouvrent notre esprit à de nouvelles idées.